Entrer dans l'application BandLab. Donc du coup, vous cliquez sur Splitter juste à côté de Audio Stress et Songstarter. En fait, c'est une IA qui vous permet de séparer les différents éléments d'un son tels que les voix, l'instrumental, etc. Du coup, vous cliquez dessus. Donc là, ils vous disent d'importer un son. Du coup, moi, je vais vous donner l'exemple avec un son que Gazo a fait avec Chakula, African Badman. Du coup, je vais le sélectionner. Je ne vais pas cliquer sur le bouton plus parce que je l'avais déjà sélectionné. Vous allez cliquer sur le plus. Mais moi, je vais cliquer tout en bas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, c'est comment est-ce que le son il est structuré. Il y a le vocal, il y a les drums, il y a les basses et le piano, etc. Du coup, là, je vais vous faire écouter sans l'instrument, et etc. Juste les voix. Donc là, je vais muter les différents éléments de la musique. Juste les voix, je vais laisser les voix. Et vous allez voir par vous-même. Je trouve pas mes semblables quand je regarde les étoiles dans les airs sans copier. Pas en tournée. Je vois celle qui me trouvait chère. La roue a tourné. Vous voyez, ça marche très bien. Du coup là, supposons on veut juste écouter les basses, sans rien, on veut juste les basses. Supposons maintenant on veut juste écouter l'instrumental, sans les voix. Vous voyez que ça marche très bien, c'est juste avec BandLab sur votre téléphone. Gratuitement en plus, pas besoin d'aller sur un site web pour payer ou quoi que ce soit. C'est tout à fait gratuit. C'est gratuit sur BandLab. Et vous pouvez le faire facilement à partir de votre téléphone. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton tout en bas à gauche en forme de piste pour pouvoir apporter ça sur le studio. Voilà, Open Studio, une studio. Ça charge un tout petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton tout en haut en forme de nuage avec une flèche à l'intérieur pour pouvoir sauvegarder. Vous cliquez sur « Publish ». Si vous ne savez pas comment enregistrer, ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo précédemment qui vous explique comment enregistrer et comment enregistrer un son, faire le mastering et puis l'exporter. Du coup, là, on va faire comme dans la vidéo précédente. On clique sur « Mastering », ça charge un tout petit peu. On clique sur « Apply ». Et bon, on va juste mettre un petit titre vite fait, c'est juste un exemple. On va mettre test. Et là, vous cliquez sur le V tout en haut pour sauvegarder. Cliquez sur view. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la flèche tout au milieu entre le logo cœur et studio pour pouvoir enregistrer. Vous cliquez sur download pour pouvoir télécharger. Par exemple, vous voulez l'instrumental du son. Par exemple, si vous avez envie de faire une cover ou quoi que ce soit. Du coup, cliquez sur download pour pouvoir télécharger. Et ensuite, vous cliquez sur « Download as an audio ». Donc voilà, ça va charger, ça sera téléchargé. Bon, moi, comme je suis sur iOS, je vais devoir cliquer sur « Save to file ». Mais vous, si vous êtes par exemple sur Android, ça sera sûrement importé dans mes fichiers. Normalement, ça sera facile pour vous aussi. Donc, clique sur « Save ». Et voilà, c'est importé dans mes fichiers. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.